pour ceux qui prennent en cours l'université ou qui ont loupé les séances précédentes, je vous rappelle qu'on a un programme très ambitieux que je vous remets ici. On avait traité de, j'ai appelé ça les eaux glacées du calcul égoïste, c'est pour essayer de présenter ce que j'appelle moi une première synthèse de représentation du monde à partir des faits économiques, qu'on a appelé l'économie libérale de la première école autour d'Adam Smith, Ricardo, Malthus et consorts. Ensuite, la dernière fois, Marie-André, on avait vu la dictature du prolétariat. La deuxième moitié du 19e siècle, où se développe une représentation des faits économiques avec l'école classique de deuxième génération, c'est-à-dire l'école néoclassique. Et puis, en parallèle, ce que met en avant Karl Marx. Et donc, ce que l'on va attaquer aujourd'hui, c'est, là aussi, j'ai pris un titre un petit peu provocant, et Keynes sauva le capitalisme. J'ai pas dit pour combien de temps. Que pour comprendre Hitler, il faut lire Ricardo. C'est-à-dire que c'est l'utopie d'un marché, d'une civilisation autorégulée autour du marché, qui a entraîné les deux grands totalitarismes du XXe siècle. Donc le siècle des Lumières et de la modernité, ce qu'on avait vu préalablement, débouche sur la barbarie que j'ai appelée industrialisée, des puissances qui dominent le monde, qui sont toutes colonisatrices, soit un conflit de 30 ans. Il n'y a pas eu deux guerres mondiales, il y a eu un conflit de 30 années, borné donc par deux guerres mondiales, qui donnera lieu à une révolution prolétarienne, mais ne pas oublier aussi un génocide et la destruction atomique, puisque les Américains ont quand même largué deux bombes atomiques. La première moitié de ce siècle, ça voit la remise en cause des dogmes scientifiques. Alors, je rappelle qu'on était parti de Newton, qui expliquait que le monde était en équilibre du fait de la théorie de la relativité, théorie générale, que ça avait été remis en cause par toutes les découvertes en termes d'évolution, c'est-à-dire le monde n'était pas statique mais évolutionniste. Et ce qui va arriver au début du XXe siècle, c'est la découverte de l'infiniment petit avec Planck, qui a théorisé les quantas, et la relativité avec Einstein, jusqu'aux profondeurs de l'esprit humain avec Freud. En 29, l'économie classique n'y comprend plus rien. Keynes ne sera pas écouté au traité de Versailles, ni à Bretton Woods, et pourtant il sauvera le capitalisme, même si c'est, à mon avis, provisoirement, pendant ce qu'on a donc appelé les Trente Glorieuses. Les faits historiques, donc Sarajevo et l'assassinat de Jean Jaurès au Café du Croissant. Le traité de Versailles, entre-temps, Lénine a réussi à faire la révolution de 17, qu'il annonce dès qu'il est en Suisse. C'est l'assassinat des spartakistes en Allemagne, c'est-à-dire Karl Lindbeck et Rosa Luxembourg. Et en 29, la crise à Wall Street. En 1920, en même temps, il y a un dénommé Hitler qui adhère au parti nazi, qui ne s'appelait pas parti nazi, qui s'appelait le Parti Socialiste des Travailleurs, etc. Ensuite, quelques grands faits historiques, ou littéraires, ou politiques, disons. Lénine, qui écrit « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Franklin Roosevelt, qui instaure le New Deal. Et Staline, qui, avec les procès de Moscou, installe ce qui porte son nom, le stalinisme. Sur le plan de l'évolution des sciences, c'est l'électricité, le moteur explosion, la radioactivité et le fait que, avec toutes ces découvertes, eh bien, il n'y a plus de distance entre les continents, puisqu'on peut rejoindre par avion l'Angleterre d'abord et ensuite l'Amérique. Sur le plan industriel, Henry Ford, qui va inventer le productivisme, et Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, qui va inventer finalement les relations publiques modernes, ce qu'on appelle maintenant le marketing, et donc le consumérisme. Et puis, oubliez, alors, en l'autre couleur, là, c'est plus les penseurs, Antonio Gramsci, qui écrit ses carnets de prison. On fera un petit tour en arrière avec Nietzsche. Ensuite, je vais aller plus vite ici sur Freud, Einstein, Planck au niveau des sciences. Et la grande représentation du monde du point de vue des faits économiques, c'est la théorie keynésienne qui va gouverner le monde à partir de 45 jusqu'aux années 80. J'ai mis ici qu'il y avait des crises financières à répétition, c'est-à-dire que le régime horloger proposé par les classiques ne fonctionne pas. C'est plutôt un régime erratique toujours en crise. La deuxième révolution industrielle à partir donc de fin du 19e et début du 20e. Je rappellerai que le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, qui était un nationaliste serbe, assassine l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois. C'est ce prétexte
qui va faire en sorte de rentrer dans le conflit de la Première Guerre mondiale, parce que ce qu'on avait expliqué, qui avait été construit autour du Congrès de Vienne, il y avait une forme d'équilibre, ce qu'on appelait le Concert européen, des grandes puissances de l'époque, avec la Triple Alliance d'un côté et la Triple Entente de l'autre. Et donc la barbarie devient industrielle. Avant on tuait au couteau, maintenant on tue au canon, quoi. Alors, ce conflit est dû aux montées des nationalismes, pan-germanisme, pan-slave, ce qui se passe dans les Balkans. Voilà pourquoi on parle toujours de la poudrière des Balkans. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est surtout la montée en puissance de l'Empire allemand qui a besoin d'avoir lui aussi des colonies. C'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas d'instance internationale où les conflits peuvent se traiter sur la table. Donc c'est une course aux dépenses d'armement et à la mobilisation générale. Par exemple, la première armée du monde en nombre de soldats, c'est l'Empire russe. 3 jours avant l'entrée en guerre, Jaurès est assassiné au café du Croissant. Et lui s'opposait, par rapport à ce conflit, sur l'idée très simple, un ouvrier français ne pouvait pas tirer sur un ouvrier allemand. Il est assassiné par Raoul Villain. Et Raoul Villain, il sera acquitté en 2019 pour l'assassinat de Jaurès. Mais Raoul Villain, il finira mal parce qu'il sera lui à son tour exécuté pendant la guerre d'Espagne. Karl Marx, il a été un chroniqueur des 3 grands mouvements qui se sont passés en France au 19e siècle. Il a écrit La lutte des classes en France en 1850, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 et la guerre civile en France en 1871. Donc il est chroniqueur de ces révolutions à la lumière de la lutte des classes. Donc la révolution d'octobre, la petite image que vous avez là, c'est l'étrave du film Le Potemkin. En 1905, il y a eu une première révolution qui a été réprimée donc par le tsar. Le 18 février 1917, les ouvriers de l'usine Poulitov à Petrograd se mettent en grève. Premier incident, le 23, plusieurs cortèges de femmes des faubourgs du Vyborg manifestent dans le centre-ville de Petrograd pour réclamer du pain. Des mutineries éclatent, les rangs des manifestants grossissent, des slogans plus politiques s'élèvent comme « Vive la République » et le tsar Nicolas II abdique le 2 mars. L'immédiat, Lénine déclare cependant, nous allons maintenant procéder à la construction de l'ordre socialiste. Il propose une assemblée constituante, je pense à l'avenir en commun, qui est élue en décembre 17, mais qui sera dissoute par les gardes rouges à sa première réunion. Un an plus tard, une vague de révolution ouvrière éclate en Allemagne, mais là, les socialistes de l'époque assassinent les spartakistes, notamment Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. À la même époque, Hitler, lui, prend la direction du Parti ouvrier allemand qu'il va transformer donc en Parti national socialiste des travailleurs allemands. Parallèlement, le traité de Versailles est signé le 28 juin et le délégué anglais, il s'appelle Keynes et il écrit les conséquences économiques de la paix. Si nous cherchons délibérément à appauvrir l'Europe centrale, la vengeance, nous pouvons le prédire, on est en 19, hein, ne se fera pas attendre. Rien ne pourra retarder, entre les forces de la réaction et les convulsions désespérées de la Révolution, la lutte finale devant laquelle les horreurs de la dernière guerre avec l'Allemagne pâtiront et qui détruira, quel que soit le vainqueur, la civilisation et le progrès de notre temps. C'est un grand personnage, Keynes. Alors, maintenant, l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, j'ai écrit « Saisir la foudre pour la plier aux besoins de l'humanité ». C'est la découverte de l'électricité, tout simplement, avec les premières dynamos qui ont été découvertes fin du siècle précédent, hein, mais qui vont pouvoir se déployer industriellement à cette époque-là. La lampe à incandescence, ça va modifier tous les transports, évidemment. Ça va avoir des conséquences dans la chimie, dans la télégraphie, dans le téléphone, dans la radio. Et il y aura également le moteur explosion, en retenant comme carburant le pétrole qui va conditionner cette industrie jusqu'à notre époque. Et donc en 1909, Louis Berryau effectue la première traversée de la Manche en avion, et en 27, Charles Lindbergh relie New York à Paris. Ce qui entraîne une nouvelle organisation industrielle, notamment avec la mise en place de l'OST, l'Organisation Scientifique du Travail, et c'est Ford qui en est le principal promoteur,
Il applique ça à la construction de sa fameuse Ford T. Donc c'est le travail à la chaîne qui entraîne une hausse fulgurante, bien sûr, de la productivité. Et au même moment, Keynes comprend la même chose, mais d'un point de vue macroéconomique. Parce que ce que comprend Ford, c'est que pour pouvoir vendre ses voitures, il faut qu'il produise, qu'il donne des salaires à ses ouvriers pour qu'il achète les propres voitures. Ce que Keynes va théoriser en termes de pouvoir d'achat. Le système économique devient donc productiviste et il deviendra consumériste parce qu'au même moment, il y a Edward Bernays qui invente donc le marketing moderne, c'est-à-dire comment fabriquer le consommateur pour le besoin des débouchés de l'industrie. Et malgré tout, théorie classique ne fonctionne pas, notamment ce qu'on avait appelé la loi des débouchés et le système de concurrence et l'équilibre général de Walras. En 1929 va éclater la grande crise. Donc il y a des crises continuellement. Il y en a en 1816, 1925, 1825, 1836, 47, 57, etc. Et donc, à l'époque, que disent les économistes, notamment Jacques Rueff, qui sera le conseiller de De Gaulle dans les années 60, il dit que s'il y a du chômage, c'est parce que les salaires sont trop élevés et qu'ils ne peuvent pas s'ajuster à la baisse des prix à cause de la puissance des syndicats, l'intervention de l'État. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est parce que l'État se mêle d'économie et permet pas l'ajustement des marchés. La belle mécanique horlogère théorisée par les néoclassiques ne fonctionne pas, mais ils ne savent pas penser autrement. Donc ils restent accrochés à leur certitude. Et donc les crises ne sont dues pour eux qu'à l'accumulation des défauts d'ajustement. Et donc ils prennent aussi le vocabulaire de Freud, puisqu'on va commencer à parler de dépression. Quant aux marxistes, qui ont une autre vision des choses, ils parlent tout simplement de crise de surproduction. Et c'est à ce moment-là que commence à naître une bagarre intellectuelle entre les deux personnages que vous avez à l'écran, qui s'appellent Keynes et Hayek. Keynes va gagner la bataille pendant toutes les Trente Glorieuses, et Hayek va se refaire à partir des années 80. Ce que l'on peut voir par contre, c'est la crise de 29. Donc on a acheté à crédit des titres en espérant qu'on allait pouvoir les vendre parce qu'ils auraient pris de la valeur. Donc il y avait une spéculation à tout craint, absolument pas encadrée. 24 octobre, où il y a un krach, tous les cours s'effondrent, la baisse se produit pendant 3 ans et les cours boursiers chutent de 87% sur 3 ans. Et donc il y a des faillites en cascade, des faillites d'entreprises, des faillites de petites banques, des faillites de grandes banques. Le chômage passe de 1,5 million à 15 millions en 33. 15 millions de chômeurs en 33. Et la crise américaine est ensuite transférée en Europe à partir de 1900. 33. Alors bien sûr, ceux qui sont au poste de commande dans nos pays, que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne ou en France, sont tous des gens qui raisonnent à partir des concepts classiques qui ne sont plus, et néoclassiques surtout, qui ne sont plus opérants. Donc c'est ce qu'on appelle l'orthodoxie. Et ils ne règlent rien. Ils ne règlent rien, si ce n'est qu'ils ne font que des politiques d'austérité, que ce soit le chancelier Böning en Allemagne, qui avait été traumatisé par l'inflation galopante de la République de Weimar, donc ils baissent les salaires, il y a du chômage, plus de 6 millions de personnes au chômage en 1932, et la production de fer et de charbon s'effondre. En France, Pierre Laval, c'était les mêmes politiques, alors baisse de traitement des fonctionnaires et de leur retraite, baisse autoritaire des tarifs de gaz, d'électricité, rigueur budgétaire, etc. Voilà. Ce qu'on appelait à l'époque déjà des politiques d'austérité. Et Franklin Roosevelt, il succède à Hoover, qui était un libéral pur jus. Roosevelt, c'est quelqu'un très pragmatique, c'est pas un idéologue. Et il va initier ce qu'on appelle le New Deal. New Deal qui n'est pas du tout social au départ. Hein. Il rencontre Keynes. Il y a une rencontre entre Keynes et Roosevelt. Et Keynes, ressort très déçu parce qu'il dit, je suis avec quelqu'un qui ne comprend rien à l'économie. N'empêche qu'il va appliquer une politique keynésienne parce qu'il est pragmatique, ce qu'on appelle la politique des grands travaux. Dans le camp socialiste, on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir une économie qui peut ne pas avoir besoin des indicateurs de marché? Alors, j'y reviendrai une prochaine fois parce que c'est extrêmement technique, mais ce qui est paradoxal et ce n'est pas assez discuté, c'est que les économistes néoclassiques, notamment Pareto,
explique que c'est possible. Explique que c'est possible, qu'on peut avoir une économie qui ne soit pas forcément une économie de marché. Et je renvoie votre interrogation sur le fait de l'économie de la santé, puisqu'on a instauré en France une économie de la santé, mais qui n'est pas dans le système marchand. Donc on peut organiser une économie de la santé pour satisfaire des besoins sans passer par une économie de marché, qui plus est, une économie classique. Il faudrait que je dise un mot aussi de ce qui se passe dans le camp socialiste et le retour d'expérience dans les années 30 en URSS. Bon, il est catastrophique. Je le redis parce qu'un petit point d'histoire concernant ce que veulent mettre en place les socialistes, donc les bolcheviks, donc les staliniens maintenant, puisqu'il n'y a plus qu'eux. Il y a un discours avant que Trotsky soit éliminé. Trotsky est partant de ce qu'on appelle l'accumulation primitive, c'est-à-dire ce que réclame Marx, l'accumulation primitive qui a été faite sur l'exploitation des esclaves et des paysans chez nous. Et lui, il dit, bon, il faut accentuer cette accumulation primitive pour passer directement au stade industriel. Et il y a Boukharine, qui est son opposant, qui dit, il ne faut pas faire ça parce que la Russie est essentiellement agricole, donc il y a ce qu'on appelle les koulaks, et ça ne fonctionnera pas. Et Staline, qui prend le pouvoir, va se servir donc de ce différend pour éliminer d'abord Boukharine, et ensuite Trotsky, en le faisant assassiner au Mexique, et c'est parti pour le Gosplan et l'expérience soviétique de la pire espèce. Donc si je fais un petit résumé, un, il y a des traités funestes, il y a des politiques déflationnistes imbéciles, il y a un réarmement belliqueux, il y a une montée des fascismes et du nazisme, ce qu'on appelait déjà populisme. Les démocraties sont prêtes à capituler, c'est l'esprit de Munich. Le camp soviétique est congelé par Staline, il ne pourra rien plus se passer. On va d'abord faire la révolution en Union soviétique, on verra si on peut l'exporter mondialement. Et c'est donc tout ça, l'histoire tragique de ce milieu de siècle où l'humanité va se perdre, puisque ça débouche sur génocide et le goulag. Entre les deux guerres, je reviens un petit peu en arrière. J'ai mis ici le tableau de Monet, qui est une rupture au niveau esthétique, puisque l'impressionnisme est une rupture par rapport à l'académisme de l'époque. Nietzsche. Alors Nietzsche, lui, il écrit au début du siècle précédent. Il remet en plat toutes les orthodoxies, rejette Dieu, les Lumières et toutes les idéologies. Pour lui, comme dans le cosmos, le désordre est la règle, l'opposition complète à tout ce qu'on a expliqué les séances précédentes. Donc il va écrire Le Gai Savoir, où il fait la litanie de tout ce dont nous devons nous garder. Penser le monde, que le monde peut être un être vivant, que l'univers est une machine, qu'il y a des lois dans la nature. Personne n'y commande, personne n'y obéit, nul n'y transgresse. Et ce qu'il explique, lui, c'est là où on va retrouver un petit peu la philosophie autour de Sartre et de Camus plus tard, l'existentialisme. Il explique qu'il faut aimer le monde tel qu'il est. Vis de telle sorte que tu dois souhaiter de revivre. Ce que Nietzsche nomme l'éternel retour. C'est ici-bas, en restant sur Terre, que chacun doit trouver ses raisons d'agir. Le funambule avance sur sa corde raide. Son idéal n'est pas démocratique, mais aristocratique. Alors c'est souvent très très mal interprété. Il y a une morale des maîtres et une morale des esclaves. Le surhomme doit se rendre maître du chaos intérieur. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Les nazis vont l'interpréter de la pire des manières. Sauf que lui, ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Lui, ce qu'il veut dire, c'est d'être un surhomme par rapport à soi-même. Et non dans le pouvoir que l'on exercerait sur autrui, qui se définit comme une loi intime de devenir plus le contraire du héros dominateur. Voilà la mauvaise lecture qu'il y a autour de Nietzsche. Alors, c'est dû à sa sœur qui va vendre, entre guillemets, Nietzsche aux nazis. Ensuite, Einstein et Planck, qui sont les deux grands physiciens du siècle, qui vont tout révolutionner, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, à partir de là, les dogmes matérialistes, déterministes, évolutionnistes du siècle précédent, ce qu'on avait expliqué, sont bousculés de toutes parts. On découvre donc en physique l'électromagnétisme, donc l'électricité pour faire simple. On découvre les rayons X, on découvre la radioactivité, on découvre donc l'uranium, Pierre et Marie Curie. Les éléments sont dotés de la même propriété comme le radium, des millions de fois plus actif que l'uranium. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? D'où vient-elle? Un corps simple comme le radium
se transforme en un autre corps simple, l'hélium, qui lui-même donne naissance au radon. Le plomb est le terme ultime de cette suite de transformations. Donc, ce qui bouscule toutes les sciences, c'est l'idée de transmutation, qui va au-delà de la génétique, par modification du noyau de l'élément considéré. On découvre ainsi que l'azote peut être transmuté en oxygène, c'est-à-dire changé de nature. Donc, on se aperçoit aussi qu'il y a des mutations brusques qui donnent naissance à de nouvelles espèces. Et puis, pour les matheux, il y en a dans l'assistance, c'est là qu'intervient aussi le théorème de l'incomplétude, qui a toujours bousculé ceux qui font de la recherche en mathématiques. Pour revenir sur ces deux personnages-là, Einstein et Planck, entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, entre les quantas de Planck et la théorie de la relativité générale d'Einstein, le monde de Newton ne représente qu'une partie, qu'un instant de la réalité. Premièrement, au niveau de l'infiniment petit, les dimensions des objets rejoignent l'ordre de grandeur des photons, particules élémentaires, l'un des constituants les plus simples de l'univers. Planck, donc, avec la théorie des quantas, tente de modéliser le comportement de l'énergie à très petite échelle. Avec les quantas, il n'y a plus de neutralité de l'observateur. C'est que pour pouvoir observer ces éléments-là, eh bien, il faut une interaction avec celui qui observe les éléments, ce que va inclure Keynes dans sa théorie. Et puis, Einstein, avec la théorie de la relativité, jusque-là, l'espace et le temps se définissaient par rapport à des repères fixes. Exemple, la Terre tourne au Soleil, il y a donc le jour et la nuit. Mais au niveau de l'infiniment grand, il n'y a plus de repères. Il n'y a ni de haut, ni de bas, ni de point fixe. Tout bouge par rapport à tout. L'espace et le temps sont relatifs et n'ont de sens qu'associés dans un espace-temps. Mais le problème, c'est qu'on est incapable de pouvoir le représenter. La vision de Newton, c'est qu'un instant, cet espace-temps. Einstein confirme les observations de Galilée et Newton, mais dans un cadre limité d'espace-temps, dans ce temps réel, comme une tranche de l'espace qui nous échappe, car on ne peut le représenter. Voilà. On part dans l'abstraction, et l'abstraction s'expliquera par des modèles et des équations donc mathématiques. Ce qui n'empêche pas que si on découvre ça, et c'est René Passé dont je me sers beaucoup, écrit « Le monde des ondes et des photons ne doit pas nous faire oublier le grondement du torrent et le parfum de la rose. » C'est-à-dire qu'il faut aussi revenir les pieds sur Terre. Et Freud, lui, va partir dans un autre champ d'investigation qui est donc la psychologie des profondeurs de l'esprit. Donc, il va découvrir ou mettre en lumière ce qu'il appelle le subconscient, voire l'inconscient, dont se servira son neveu, Édouard Barnès, pour fonder donc le marketing moderne. Voilà, donc toutes les certitudes scientifiques établies sont contestées et Keynes va se servir de ces concepts pour développer une représentation économique différente. Voilà, Freud. Alors, Keynes est un esprit universel et il va mobiliser, dès que l'univers est courbe, avec son analyse de la monnaie qui représente le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire un tout petit effort d'abstraction, ce que les classiques n'avaient absolument pas vu, et que l'équilibre général n'est qu'un équilibre parmi tant d'autres. Il va même expliquer, c'est un équilibre de sous-emploi. Deuxième idée qui reprend à Planck, il va estimer qu'il va voir que l'observateur influe sur l'objet observé. Il va donc contester l'idée, qui est dans le sens commun, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ben non, en économie, les mêmes causes peuvent produire des effets différents. Donc tout devient beaucoup plus complexe. Et puis il va emprunter à Freud la psychologie des profondeurs, le fait que les agents économiques ne sont pas toujours parfaitement rationnels, puisqu'il y a un inconscient qui agit sur leur prise de décision. Et donc ce qu'il va démontrer, c'est qu'il peut y avoir un équilibre, c'est classique, c'est-à-dire l'offre, la demande se rencontrent sur tous les marchés, blablabla, mais cet équilibre est un équilibre de sous-emploi. La monnaie, c'est une réserve de valeur, une unité de compte, mais c'est aussi la mesure du temps. Voilà, bien comprendre ça. La monnaie, c'est la mesure du temps. D'ailleurs, si on paye un intérêt, c'est parce que c'est le temps, ça représente le fait que pendant un certain temps, on ne disposera pas de son épargne,
si on est prêteur. Et ils considèrent que la monnaie joue un rôle actif sur l'économie réelle, ce que les économistes classiques disaient que non, puisque la monnaie était totalement neutre. Donc les phénomènes monétaires viennent perturber l'économie réelle. Keynes va expliquer 1929, que les classiques ne comprenaient pas. Comment se fait-il qu'il y ait une crise et qu'on n'arrive pas à relancer la machine? Il dit, voilà, imaginons une économie qui part d'un niveau d'activité de 100, qui correspond à une situation de plein emploi, c'est-à-dire tout le capital et tout le travail disponible est employé. Cette activité génère un revenu de 100, parce que s'il y a 100 de capital et de travail, ça génère ce revenu de 100 qui, par hypothèse, se partage comme hypothèse en 80 pour la consommation et 20 pour l'épargne. Si toujours par hypothèse, les 20 d'épargne trouvent à investir, la demande globale est de 80 plus 20, 200. Donc la demande globale va rencontrer l'offre globale, ce qui explique le plein emploi et du capital disponible et de la main-d'œuvre, si on résume l'emploi à la main-d'œuvre. Alors, où ça se grippe? C'est ça la découverte de Keynes. Mais si pour des raisons multiples, l'intérêt est trop faible pour attirer toute l'épargne, une partie de celle-ci sera thésaurisée. Ce qui n'était pas admissible ou concevable pour les classiques. Parce que garder de l'argent pour lui-même, ça n'avait pas de sens. Elle tombera dans ce qu'on appelle la trappe à liquidité. Bon, ce qu'on disait à l'époque, les billets de banque dans l'armoire sous le linge. Si sur les 20 initialement prévus, l'hypothèse encore, 10 sont investis et 10 sont thésaurisés, parce que les gens n'ont pas confiance, hein, la demande globale qui remonte aux entreprises est alors de 80. Elle est de 80 de consommation, ça n'a pas bougé, et de 10 d'investissement. Donc le signal qui est envoyé à l'appareil productif, c'est qu'il faut produire pour 90, montant inférieur à la situation initiale, puisque eux, ils avaient produit pour 100. Donc ils vont se retrouver avec des stocks. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les patrons d'entreprise vont anticiper une baisse de la demande. Si les entreprises qui avaient produit 100 se retrouvent avec des stocks, elles vont anticiper la baisse de la demande et ajuster leur production à celle-ci, soit 90. Et les 90 de demande sont bien employés, c'est-à-dire on a bien 90 des deux côtés, on est bien en équilibre, sauf que c'est un équilibre de sous-emploi. Ce que je voudrais dire ici pour terminer, c'est qu'il n'existe pas de fait économique pour Keynes, il n'existe que par les appréciations des acteurs. Les faits économiques ne sont que ceux que ceux-ci les font. Deuxièmement, Keynes avait une profonde aversion de l'hypocrisie de la morale victorienne. Il a une horreur du rentier, notamment il veut les états, sa formule est très connue, il veut les euthanasier de manière douce. Ce qu'il évoque aussi, c'est que l'accumulation exprime l'inquiétude devant la mort. Donc là, vous voyez, on est du côté de Freud. Et je voudrais dire un petit mot concernant l'histoire de la foule et du concours de beauté. Il reprend à Freud l'histoire des foules artificielles. On va parler des marchés financiers. La foule artificielle parce que spontanée et éphémère, et la foule durable parce que hautement organisée par une tendance commune. Ça, c'est Freud qui explique ça dans Totem et Tabou. Principe qu'il va déployer, lui, dans la foule des salles de marché. Comme les décisions se prennent toujours dans le court terme, il faut agir comme l'opinion moyenne. Comme dit Freud en matière de foule, mieux vaut hurler avec les loups, parce qu'au pays de l'homme, de Hobbes, vous vous souvenez de Hobbes, on avait parlé la première séance, l'homme est un loup pour l'homme. Mais au pays de la finance, en plus, il chasse en meute. Thank you.
Audio Hub Preview. It is a wonderful thing for our businessmen and our manufacturers and our unemployed to taste hope again. Le contrôle de la monnaie et du crédit, l'organisation et la régulation sociale et l'orientation des investissements de long terme pour une large socialisation de ceux-ci pour assurer le plein emploi. Donc qui justifie toute l'intervention de l'État. Par une politique budgétaire et par une politique monétaire. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Ça renvoie à toutes les contradictions de notre construction européenne à l'heure actuelle. C'est que on peut faire une politique budgétaire en France, mais on ne peut plus faire de politique monétaire puisque la Banque centrale européenne est indépendante. Donc on ne peut pas faire le keynésianisme tel que l'avait prévu Keynes. Et on verra aussi que ce qu'explique Hayek, c'est qu'il est d'accord avec ça quand il y a des crises comme ça. Mais très vite, dès qu'on est revenu à la chose normale, il faut repartir sur les fondamentaux du marché. Et ça, c'est la théorie qui va donc imposer à partir des années 80. Et tout de suite, si on veut lire un peu la crise qu'on est en train de vivre, il faut la voir à la lumière de cet enseignement. Donc après, le jour d'après, il faudra commencer comme avant, hein, si vous voyez ce que j'essaye de raconter. Donc voilà, on en termine. Résumé des principaux concepts mobilisés par Keynes. La pensée de Keynes à son époque est révolutionnaire. Donc nous, on a le recul maintenant. Il intègre les enseignements de Planck, Freud et Einstein. L'observateur influe sur l'objet observé. Je rabâche. L'espace-temps explique le rôle de la monnaie dans le réel. Et la psychologie des profondeurs, le comportement des agents économiques. Adieu donc à ce qu'avaient proposé les classiques, la géométrie euclidienne, donc les équations de la fonction d'utilité, ce qu'on appelait l'économie pure, l'équilibre spontané optimal. L'analyse microéconomique, l'homo economicus, le calcul rationnel, la loi des débouchés, la neutralité de la monnaie, etc. Toutes choses qui sont encore dans nos débats. Et lui, qu'est-ce qu'il met à la place? La relativité, c'est un rappel d'Einstein, de l'économie impure, celle de l'équilibre de sous-emploi, des anticipations qui ne sont pas forcément rationnelles, de l'illusion monétaire, c'est-à-dire garder de la monnaie pour elle-même, et ne pas tenir compte de l'inflation, de la trappe à liquidité, de la propension à consommer, à investir, le multiplicateur keynésien, toutes choses qui sont à l'œuvre dans la construction de l'avenir en commun. L'avenir en commun reprend tout ça. L'incertitude radicale du long terme, on ne sait pas ce que l'avenir sera. Donc il y a une incertitude radicale. Le concours de beauté, c'est-à-dire que la bourse, c'est le comportement moutonnier qui triomphe toujours, parce que si on ne veut pas perdre, il faut toujours penser comme la moyenne des opérateurs. Et donc, recours aux pulsions, aux dépressions, et aux exubérances irrationnelles. Donc, ce qu'il emprunte à Freud. Donc, place à l'analyse macroéconomique. L'analyse macroéconomique, c'est-à-dire que la somme des parties n'est pas égale au tout. C'est-à-dire que le raisonnement microéconomique ne peut pas se dupliquer au niveau d'une nation en faisant la somme de comportement de chaque agent. C'est autre chose. L'intervention de l'État, qui est justifiée, donc ce que j'ai expliqué, politique monétaire et budgétaire, les politiques publiques de relance qu'on a dans l'avenir en commun, avec nos grands plans d'investissement, donc l'augmentation des salaires pour dégager du pouvoir d'achat, la taxation des rentiers qui sont inutiles, ils servent à rien les rentiers, voire leur euthanasie de matière lente et des grands travaux. Vous dupliquez tout ça, on duplique tout ça, on lit l'avenir en commun, on a, à mon avis, 80% de la doctrine économique qui sous-tend l'avenir en commun. Ce qui est d'ailleurs critiqué par les marxistes purs et durs en disant que ce n'est pas une rupture avec le capitalisme. Ce qui est vrai et ce qui mériterait qu'on en discute aussi ensemble. Voilà. Et puis, il place l'objectif de justice sociale au sommet de toutes les normes et des politiques d'accompagnement de la société face aux changements induits par les avancées de la science et des techniques. Pensons par exemple, si toujours en vie, ce qui dirait de la 5G et de l'intelligence artificielle. Pour conclure, il me reste à peine 5 minutes, Freud publie donc « Malaise dans les civilisations des années 30 » et la même année, Keynes
publie Perspectives économiques pour nos petits-enfants. Et Gramsci, pessimiste de la raison, optimiste de la volonté, qu'il écrit en prison en Italie. Alors dans Malaise dans la civilisation, j'en terminerai par ces trois petits commentaires, Keynes va reprendre ce qu'il avait développé au niveau des concepts de pulsion de mort et de pulsion de vie, mais au niveau de la société. Et quand il parle de civilisation, il parle aussi de ce qu'il appelle, lui, la culture. Et à l'époque où il écrit, il est chassé par les nazis, il se réfugie en partie en France, ensuite, je crois, c'est en Angleterre. Il explique que la civilisation a toujours été animée par un combat entre la pulsion de mort, ce qu'il appelle Eros, la pulsion de vie, pardon, Eros, et celle de mort, Thanatos. Écrit en 1930, au même endroit où Hitler va installer son nid d'aigle, hein, Berchtesgaden. Il écrit que nul ne peut présumer du succès de l'issue de ce combat. Et rien ne garantit que les civilisations, même celles qui sont considérées comme les plus modernes, ne finissent pas par s'autodétruire. C'est-à-dire l'esprit de mort l'emporte sur l'esprit de vie. Et Keynes, à la même époque, publie donc son petit bouquin pour ses petits-enfants. Il fustige donc l'avarice, l'usure, la prudence. Il dresse un plaidoyer pour la question de l'émancipation des individus, de la nécessité économique, cette émancipation soit autre chose qu'une fatalité ou une malédiction. Et il écrit la chose suivante. Il se trouve, dit-il en préface, que pour une subtile raison tirée de l'analyse économique, la foi, dans ce cas, peut agir. En effet, si nous agissons continuellement sur la base d'une hypothèse optimiste, cette hypothèse tendra à devenir réalité. Tandis que nous pouvons nous maintenir à jamais dans l'enfer du besoin en prenant pour base nos actions une hypothèse pessimiste. Je me réjouis de voir se réaliser dans un avenir pas si lointain le plus grand changement que nul ne s'est jamais produit dans les conditions de vie matérielle des êtres humains. Cette évolution s'accompagnera d'une réduction drastique du temps de travail. Les activités artistiques, scientifiques seront au premier rang de la hiérarchie des occupations humaines, bien avant les activités économiques. Gramsci est emprisonné par les fascistes italiens. Il écrit ses carnets de prison, où il développe donc cette idée que l'histoire du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. Il nous reste 4-5 minutes, c'est trop peu. Il faudra qu'on refasse une séance, on rediscutera un petit peu tout ça tranquillement. Mais bon, ben je vous donne la parole.